On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci, on est 2Q contre un autre joueur 2Q également. Il a 6,5 de commis et on a 20 minutes chacun plus 5 fois 30 secondes. Donc je joue Oshi, il joue Oshi. On va jouer un petit Mokumoku dirigé vers lui pour l'inviter à venir par là. Et peut-être pincer, mais il ne vient pas. Ok. Donc là, on observe qu'il y a deux bords qui sont plus intéressants, c'est le bord ouest. Et le bord sud. Parce que y a une intersection de plus en fait. Ici, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, c'est la même. Et là, il y a 11 et 11. Donc, c'est plus intéressant de soit faire notre Shimari ici, notre verrou de coin, et de jouer un de ces quatre coups. Soit d'approcher directement, par exemple, en F3. Mais il y a aussi d'autres solutions. C'est de venir sur ce bord-là et de venir soit en C6. Soit, plus communément, quand même, on empêche nous-mêmes de faire un Shimari à notre adversaire en approchant en C15 ou en D15, ce qui l'empêche de faire un de ces quatre coups. On va se développer tranquillement de notre côté. On va faire un grand Shimari dans ce sens-là. Et là, soit il va venir sur le bord droit, parce que même s'il y a une intersection de moins, il peut se dire oui, mais très rapidement. Noir peut développer un gros moyo de ce côté-là, soit développer lui-même son Shimari, soit s'emparer d'un coin, effectivement. Parce que ça, il peut faire la stratégie de trois coins. Imaginons, on le joue, je ne sais pas si j'ai activé Glatt. Hop. Si. Imaginons, je joue comme ça. Donc, tac, 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 il vient là. Et ensuite, je suis senté. Mais imaginons, je viens de prendre le coin, il vient là et il fait le double année. Ce qui peut se jouer, je prends la pierre ici, le Ponuki, donc la forme de capture une pierre, il garde le coin, et plus tard quand j'approche ici, il peut kick et venir là. Et j'étends. Et ça, c'est la stratégie à trois coins. Je vérifie, oui, vous voyez bien. Et en fait, il dit ici, ok, je prends trois coins. Et même si tu vas faire un boyau, donc effectivement je peux faire un espace assez intéressant par là, imaginons, tu n'auras jamais assez pour avoir autant que mes trois coins, plus le commis. Et ça peut être une stratégie tout à fait viable. On va voir s'il va vers ça. Déjà je vais pousser de ce côté. C'est tentant de pousser de ce côté, je pense que c'est pas mauvais, mais je vais éviter de mettre tous mes œufs dans le même panier en fait. Quoique. Là, je reviens peut-être sur ce que je dis parce que normalement, j'aime pas jouer tout dans la même zone, mais sur ce bord nord, c'est assez difficile de se développer pour noir parce que blanc est déjà sur la troisième ligne en territoire. Peut-être un peu compliqué. À pousser ici. Mais ça m'encourage à faire un jeu moyo que je n'aime pas trop normalement, mais on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, normalement, il va en Q17, je vais en P16, et là, il choisit, hein, soit il continue P17, soit il va en O18. Et la stratégie, ça peut être, voilà, comme je dis, il vient ici, tac, 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 imaginons ça. La stratégie, ça peut être tout simplement aller en F3. Et là, oui, effectivement, on voit le moyo. Après, bon, c'est un peu du stratégie qui tout double, parce que si on ne réussit pas à concrétiser pas mal de points dans cette zone, on n'a pas vraiment de points. Que là on donne, là il y a le blanc, il a un coin. En allant en F3, on ne devient pas Onsatsan, donc on ne nie pas la possession de blanc au coin. Donc là, imaginons, tac, je viens là, il peut tout à fait faire ça. Et dire, regarde, j'ai peut-être le coin. Ce qui peut être intéressant pour lui. Et là, il vient en O17. Ok. Je vais vous parler de ce coup où ça fait tac, tac, tac. Là, c'est un dé de je sais qui classique. Où blanc vient ici, c'est fin de je sais qui. Et il y a également cette solution de jouable. On voit un peu moins. En fait, elle demande d'avoir le chichot. Si je viens ici et que je coupe du côté qui ne m'intéresse pas. Je prends la pierre. Je fais contre-atari et capture. Et ensuite, je prends la pierre. Ah, en fait, il a lu que le chichot, l'escalier, tombe sur sa pierre.
Je vais peut-être vérifier pour voir si c'est pas trompé. Mais normalement, c'est bon. Oui, le chemin passe par ici, du coup ça va mettre en atari la pierre, donc je vous laisse vérifier par vous-même, mais le chicho fonctionne pour lui. Donc je ne peux pas faire ça. Et du coup il s'autorise à la place de jouer au 18, de jouer au 17. Bon, je peux quand même pousser comme ça par exemple et gagner un peu plus de place. Et voilà, c'est intéressant pour lui. Je sais plus si je dois pousser forcément. Tac, tac. Et pousser encore. Ou si je dois Tenuki. Quand je Tenuki, en fait, ici, il peut monter. Ça peut être un peu chiant. Je pense que je dois venir là. Parce que si lui obtient ce coup, ces trois pierres sont quand même vachement abîmées, je trouve. Et en soi, il joue sur la troisième ligne. Donc quand je pousse, il fait deux points de plus. C'est pas si énorme que ça. Comparé au mur de noir, le potentiel qu'il fait dans cette direction. Là, on voit que mes deux pierres sont sur la même ligne, du coup. Donc, toute cette zone-là devient un moyo, en fait. Noir, il menace, même si c'est pas du tout fait, de prendre tout ça. Si noir a tout ça, c'est très dur pour blanc de gagner la partie. Hein. Mais blanc va devoir venir un moment, par ici ou par là, etc. On va pousser une fois de plus. Ce qui menace quand même de faire M17, il n'a pas envie. Et là, une séquence peut très vite tourner dans ce sens-là. Blanc vient ici. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc capture. Noir atari. Et là, ça dépend ce qu'on a envie. Est-ce qu'on veut du combat en faisant L17 ou est-ce qu'on fait atari et on développe tranquillement notre moyo, quoi. De toute manière, il fait nobi. Un peu passif, je pense. Parce que maintenant, quand blanc monte ici, ça me dérange beaucoup moins de sauter comme ça que tout à l'heure où blanc montait là et on allait là, c'était beaucoup plus écrasé, on voit le potentiel. Là, bon, ok, c'est toujours gros ce genre de coup, mais bon, reculer sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème ligne, c'est pas non plus honteux, on va dire. Donc, on va jouer par là. 3ème, 4ème, je ne sais pas. Ça peut être intéressant de faire 4ème. Dans l'idée, c'est ici, j'ai fait 4, 3 pour jouer. Pour un peu alterner. Parce que si je joue que en 3ème, on peut se dire aussi, tu t'écrases toi-même, en fait, sur la 3ème ligne. Alors que c'est pas le territoire que tu veux. Ce que tu veux, c'est te développer par ici et développer un moyo. C'est pour ça que même si c'est pas le coup le plus classique de jouer en 4ème ligne, 4, ça peut être intéressant. On va le tenter. Ce n'est qu'un jeu. Et là, ça dit clairement, regarde, entre cette ligne et cette ligne, il y a une frontière que je menace de fermer. Bon, il y a encore du boulot, mais c'est l'idée en tout cas. Il se développe tranquillement. D'accord. Et là, il y a plusieurs choix. Un scénario qui serait sympathique pour moi, bon, c'est venir ici, il défend, je viens là, il défend son coin et je saute par exemple. Une idée. Une autre idée, ça peut être je recule tranquillement et on développe et on dit oui, mais regarde finalement sur ce bord sud, il peut y avoir pas mal de points. Le problème, c'est qu'il peut venir là. Tac, tac. Il recule et finalement, j'ai un problème en G2, mais si je descends. Si je connecte pour protéger, je suis vachement surconcentré mes deux pierres G3, G4 avec ma pierre J4. Donc c'est un peu embêtant. C'est pas forcément le meilleur coup. En vrai, si on a envie de faire quelque chose avec ce moyo, le meilleur coup c'est on sauter direct ou faire la séquence avec D3 d'abord. Hein. Mais sauter direct peut être intéressant. Ou alors prendre une pierre par là et dire regarde, je vais quand même développer pas mal. On va tenter ça. On va venir par ici. Après, ce qu'il peut, vous pouvez se dire aussi, c'est peut-être, je sais pas, hein, je réfléchis, peut-être qu'il pouvait faire une chose comme ça, mais et ça donne pas mal de points sur le bord sud sans fermer le coin, ça aurait été dangereux peut-être.
Il faut qu'il pense à ses propres points, parce qu'en soi, en haut à droite, il n'en a pas tant que ça non plus. Ok, il vient là. Et ici, peut-être, en fait, il peut venir par là. Peut-être pas très beau. Il vaut mieux agrandir au maximum. L'invite à venir, de toute façon, il viendra tôt ou tard. Là, ça va être au prochain coup, il y a des chances quand même. Et l'attaquer sévèrement. Donc, on va jouer le plus large possible. Et là, il va venir à l'intérieur, pourquoi ? Parce qu'on dit souvent, oui, Moyo contre Moyo, jouer à la frontière des Moyo, ça peut être intéressant. Par exemple, ici, où Noir vient là, Blanc pousse en premier, certes. Sauf que Blanc n'est pas du tout garanti de faire plus de points que Noir. Donc je pense qu'ici, l'heure, c'est plutôt à l'invasion. Pour ça, on disait. Ça peut être intéressant aussi d'attaquer ma formation de 4 pierres, donc peut-être jouer un truc par là, hein, ou par là, moins direct. Et aussi venir par ici. Parce que si on vient d'un côté, par exemple en R7, Blanc peut s'étendre en R13. Et inversement, si on vient vers R12, Blanc peut s'étendre en R7. Donc, ça peut être intéressant. En quatrième ligne aussi, hein, s'il veut être plus proche de la sortie. Et voilà. Dans ces coups-là, ça peut être intéressant, je pense. Même ça, peut-être. C'est un de ceux-là que je jouerai, je pense. Ça dépend ce qu'il veut faire. Quelle est sa stratégie. Un peu aussi et tout. Et en même temps, je pense qu'il a envie un jour de jouer un de ses coups, mais là, ce serait peut-être un peu lent. S'il joue un de ses coups, Noir est content de jouer ça, voire par là. On va voir ce qu'il joue. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous auriez joué à ce moment-là, par exemple. Ça ressemble un peu à une des dernières parties qu'on a jouées, hein, où Blanc était venu très brutalement à l'intérieur, on avait essayé de l'enfermer. Ça ressemble énormément à la situation. Et Blanc avait vécu tranquillement à l'intérieur sans que je fasse trop de points. Après, là, je suis plus solide, j'ai l'impression, que la dernière partie. Donc peut-être que... Peut-être que ça peut faire plus de points, quand même. Ok, donc il vient en contact. Là, j'ai deux choix, je dirais. Soit je reste très solide pour voir comment est-ce qu'il réagit. Là, il sauterait sûrement comme ça. Bon, ça revient à une séquence de coups à l'épaule. Là, cette séquence-là, c'est comme si c'était des coups à l'épaule. Imaginons ça, et quand Noir vient là, Blanc saute. Très souvent, quand il y a un coup à l'épaule sur une pierre en troisième ligne, ça fait des situations comme ça. Et si Noir monte, Blanc saute de l'autre côté. Voilà, c'est si je recule, finalement, on revient à comme s'il avait fait un coup à l'épaule sur ma pierre en P3 que je jouerais. Et je serais venu en O3 et il saute. Ça revient exactement à la même chose. Et sinon, c'est ce coup-là. C'est du coup, je dis P3 ou P4. P4 est le plus classique, en fait. Ça revient à ce Joseki. Tac, tac, et Noir, il fait Atari ici. Et ensuite, Noir a le choix entre P5, N5 et M3. Là, je vous renvoie vers des vidéos de Mathieu Delisotti qui a fait tout à fait... qui a montré toutes les séquences connues. Peut-être que ça a été un peu mis à jour maintenant, mais sa vidéo a quoi, un an et demi, peut-être plus, je sais plus. Mais je vous la mettrai dans la description. Il montre toutes les séquences sur ça. Mais je me dis, comme je suis très solide autour, peut-être que j'ai envie d'être plus sévère avec P3. Je sais pas. On va jouer classique. On va jouer classique. En vérité, ici, c'est quand même jouer sur la cinquième ligne aussi. Donc, ça peut être intéressant pour Noir de jouer dans cette direction. Et Blanc, il se confronte quand même avec un mur noir ici. Donc, c'est pas facile. Donc voilà, il joue classique. Je sais que le petit piège ici, c'est se dire « Ah oui, bah Noir, il peut jouer là. » Et il est solide en soi. Bon déjà, un, comme tout à l'heure, on disait dans la séquence en bas à droite, une des séquences qu'on avait dessinées, Noir est surconcentré. Les deux pierres sont trop proches de R4. Tout à l'heure, quand je menaçais de jouer ce coup-là, et on disait « Blanc vient là, tac, 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 tac. » Je disais « Ah, on est surconcentré. » Bah là, c'est la même situation. Donc on n'a pas envie de ça. Et aussi, c'est comme si Blanc était venu en M3,
que j'avais fait l'erreur de reculer en P4, ce qui aurait été bizarre comme réaction. Et ensuite, blanc aurait refait une erreur en O4, et j'aurais reculé là. C'est vraiment bizarre comme séquence. Donc là, il faut pas reculer. Il faut faire un Atari. Donc ça, il faut le faire. Cet Atari est bon. Ce qui est plus compliqué ensuite, c'est de choisir entre, je vous disais, ça, ça et ça. Les trois donnent des séquences différentes. Donc là, je vais essayer de relire un peu tout ça. Il me reste juste 9 minutes. Quand je viens là, blanc, il fait Atari ici, tac, tac. Il semble que blanc remonte ensuite. Et nous, on recule. Ah, mais il est chichou de ce côté. Donc, plutôt aller par là. Tac, tac. Il monte encore. On est là, je crois que c'est ça. Là, c'est sûrement ça qu'on va jouer comme séquence. Ça serait noir, blanc, noir, blanc. Noir revient prendre sa pierre, mais blanc peut tourner ici. Du coup, noir prend cette pierre. Et en fait, là, ici, blanc est assez content parce qu'il a deux coups qu'il peut jouer sans être coupé. Et deux coups qui sont un peu originaux parce que c'est des Nicken Toby, donc un espace de plus que le Toby. C'est s'il joue jusqu'ici, il peut pas être coupé. Et s'il joue jusqu'ici, du coup, deux espaces, il peut pas être coupé. Parce que si je viens là, il y a d'abord l'Atari, puis il peut revenir connecter ses pierres. Et si on vient par ici, le truc c'est que quand il vient là et que j'essaie de couper, il y a un double Atari. Sur mes deux pierres, en P4 et P5, et sur la pierre en Q6. Donc en fait, on ne peut pas couper ces formations. Donc il va prendre de l'influence, mais je prends du territoire. Est-ce que ça m'intéresse? On va voir. On regarde la séquence, le résultat. Ça peut être tout de même intéressant, je pense. On va le jouer. L'autre m'intéressait moins, je trouvais, parce que quand il faisait l'Atari, tac, tac, puis il remontait, bah, du coup je défendais ma pierre, mais là il pouvait prendre la pierre, parce qu'il n'y a pas ma... Là je n'ai pas joué N5, donc il pouvait prendre en chichot. Je trouvais que là, directement, il avait une forme très agréable, j'avais moins de points que dans l'autre séquence. C'était pas intéressant, je trouve. Et il y avait le dernier où je faisais cet Atari. Et je crois qu'il descend. Je suis plus très sûr de la séquence. C'est pour ça que j'ai pas joué d'ailleurs. Bon, là, il a qu'un choix. Hein. C'est. Oh. Tu es blanc, tu as envahi. Noir, il veut jouer assez solide. Et encore que là, j'ai fait un Atari. Blanc, comme il est en infériorité, c'est une invasion. Il faut compliquer la situation. Donc là, l'Atari est tout désigné. Quoi. D'ailleurs, il y a deux Atari. Hein. Il y a celui-là aussi. Mais celui-là est moins bon. Pourquoi? Parce qu'il me force à connecter mes pierres. Et voilà, maintenant, j'ai deux groupes, on va dire, à surveiller. Et lui, trois positions, on va dire, parce qu'il y a une coupe en N2. Alors qu'avec l'autre, ça me force à continuer à avoir trois positions. Encore une fois, dans ce principe de compliquer la situation. Atari. Nous, on répond à l'Atari tous les jours, hein, sinon il capture et il connecte toutes ses pierres. Ça serait dramatique. Et il monte. Après, peut-être qu'il va pas trouver le coup de monter, parce que il a l'air de pas connaître plus que ça la séquence, il met du temps à les jouer. Après, peut-être qu'il explique aussi de son côté. Mais je crois que c'est le seul coup. Parce que s'il connaît pas la séquence, il peut y avoir une erreur qui se manifeste, je crois que Mathieu le dit dans sa vidéo, c'est cet Atari. Où on peut se dire, ouais, mais c'est quand même pas mal, regarde, je vais prendre le coin. Mais en fait, là, la capture de ces deux pierres, donc il y a quand on capture une pierre, on appelle ça un Ponuki. Là, c'est le dos de tortue. Je crois que c'est ça le nom. C'est vraiment beaucoup trop gros, en fait. On donne vraiment beaucoup trop de points, et là, je suis presque garanti de faire tous les points sur le bord sud, en fait. Ce qui est énorme. Et ensuite, il faut encore qu'il rajoute un coup, et sa forme est pas très propre, on va dire. Mais ça peut être tentant, en fait, de se dire, ah, je vais prendre le coin. Et en fait, si tu connais pas la séquence, c'est pas forcément facile de trouver le coup en O6. Et noir vient là, comme je disais, blanc vient là, noir vient là, et blanc a les deux coups dont parlait ça et ça.
à son tour. Les autres coups ne marchent pas trop, hein. On peut se dire, ah, il y a ça qui menace de sortir encore une fois en Q4, mais aussi de prendre les pierres si je descends en N2. Attention, si je connecte là, blanc, même s'il descend ici, je prends d'abord ses pierres en chichot. Et là, ça peut être dramatique, blanc, il peut mourir partout, quoi. Donc attention. Là, je pense qu'il ne connaît pas la séquence du coup. S'il joue le coup en O6, c'est bien joué de sa part de trouver comme ça en lecture. Après, c'est un coup logique du coup. Si c'est un Joseki, c'est que c'est un bon coup, hein, et que ça peut se trouver, mais ça serait bien joué de sa part. Je profite du coup, si vous aimez les explications et les animations d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, c'est bon pour le référencement, tout ça. Et à vous abonner à la chaîne, surtout si vous voulez voir d'autres vidéos du jour. Merci beaucoup. Alors. En vrai, là, il a raison de réfléchir, parce que la situation n'est pas simple quand on ne connaît pas le Joseki, et il est large en niveau temps. Donc il a raison de poser son jeu. Lâcher sa souris. Le premier qui pourrait aller vers C15 aussi, il sera content. Oh! Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Je ne connais pas. A priori, noir a envie d'aller en N2. Parce que dès que blanc joue en N2, là, pour le coup, on peut pas faire grand-chose, parce que à la différence de ce coup, là, c'est sévère son P2, parce qu'il me retire une liberté, à la différence de Q3 qui n'en retire pas. Donc, je pense... Là, il y a deux Atari. Celui-ci est extrêmement mauvais, hein, parce qu'il me force à... Il me retire une liberté. Je le pousse vers le coup qu'il a envie de jouer. C'est vraiment pas très bon. Là, après, il n'y a qu'une seule solution pour Noir. C'est... Le recul ici. Je connais pas du tout la séquence là maintenant. Je sais que ce coup P2, en tout cas, dans ce que montrait Mathieu par exemple dans ses vidéos, ça n'existait pas. Peut-être que maintenant que ça existe. Mais les Joseki servent à ça aussi en fait. C'est à connaître quelques séquences et savoir que quand l'adversaire ne joue pas les séquences que tu as apprises, normalement c'est là qu'il a peut-être fait une erreur et c'est maintenant qu'il faut utiliser son temps. Là, normalement, j'ai que ça à jouer. Si je fais là, bah oui, mais ça fait Atari, donc je dois répondre, il peut venir capturer. Si je fais Atari ici, tac, tac, et après je recule, bah cet Atari, ce qui l'a servi à grand chose, finalement, il a deux libertés pour l'instant. Si je fais Atari, il en aura trois, et je suis obligé de repartir. Donc je l'aurais juste renforcé. C'est un peu dommage. Donc il faut jouer ça, je pense. Il sort. Ouais, je suis pas très fan, parce que maintenant je peux jouer là. Et ça revient au même problème que si je jouais en Q3. Parce que quand je viens ici, je vous montre, même s'il descend là, bah oui, mais on peut prendre un Atari, puis Chicho, c'est pierre, il y a l'escalier. Tac, si il sort ses pierres, bah, on peut capturer celle-là, par exemple. Peut-être qu'on sortirait d'abord les deux autres, hein, mais voilà, dans l'idée, on peut faire ça, parce que je dis ça, parce qu'il peut prendre lieu en Geta. Donc là, ça a l'air compliqué si je joue en Q4. C'est le coup qui me donne envie direct. Après, peut-être qu'il y en a d'autres de bons. Par exemple, l'Atari. Tac, et je vais là. Ça peut être intéressant, peut-être, cet Atari maintenant. Ouf, il vient ici, et je vais là. Il a quand même que deux libertés. Moi, j'en ai trois ici. S'il descend là... Je peux encore capturer un chicho. Donc ça, ça a l'air intéressant. Et sinon, j'ai envie de regarder M2. Tac.
M2 est un peu gourmand en fait. C'est dans l'idée de M2, c'est oui, mais peu importe si je fais Q4 ou bon, imaginons ça, hein, quand je disais que je fais ça et qu'il capture. Ce qui est embêtant, c'est qu'il peut connecter par dessous ses pierres. Là, je suis obligé de capturer et il revient là et je suis obligé de protéger. Et il connecte par dessous Sente. Bon. Après, on fait s'il continue à jouer par là, on développe quelque chose d'incroyable de ce côté. Donc c'est peut-être un peu de gourmandise de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir jouer ce Q4 ou O6 et de vouloir aller en M2. C'est peut-être un peu de la gourmandise. De la dernière partie, ça m'a pas très bien réussi la gourmandise. Donc je vais peut-être venir là. Ici, il vient là. Ouf, ok. Il va faire un podouki sur l'extérieur. D'accord. Bon, bah, j'aurais dû Q4 directement. Ok. Parce que là, le problème, c'est que quand je viens ici, il peut faire ça. Et certes, tu peux prendre cette pierre par exemple, mais quand il capture ça, il est quand même content de faire un podouki vers l'extérieur. Et je fais pas tant que ça de points. Donc ok, il fallait que j'aille ici direct, et pas ça, c'était un peu tricoté le O6. Ok. Donc là, le truc, c'est que si je connecte, il peut descendre. Et là, j'ai plus que deux libertés. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 3. Et ici, il y en a 4. Donc il est content. Ouais. Ah, c'est pas incroyable. Parce que finalement, je joue ce coup en M2. Donc non, il fallait aller en Q4, comme je dis tout de suite. Ok. Donc je me suis un peu trompé. Atari. S'il ne fait pas cet Atari, c'est une erreur, je pense. Par exemple, s'il fait ce coup, je pense que c'est une grosse erreur, parce que maintenant, je peux aller là. Et s'il descend, je peux ici aller ici d'abord. Et là, il se retrouvera avec deux groupes qu'il doit faire vivre. Les 4 pierres en N3 jusqu'à L2 et les 4 pierres de O4 jusqu'à P6. Donc il fait Satari, bon c'est la séquence dont on parle. Donc ça, non, sinon il capture. Plutôt ça ou ça. Ouais, c'est pas très bon pour moi ça. C'est pas très bon du tout. Et il faut capturer. Si je sors ici, c'est dramatique pour lui, donc hop, capture. Et noir est embêté, parce que ce mur, il sert beaucoup moins le mur en haut à droite. Et finalement, on fait pas tant que ça de points sur le bord sud, parce qu'il peut encore glisser en F1, par exemple. Et dans le coin, on pourrait imaginer de la G plus tard, s'il saute jusqu'ici, des trucs du genre. On n'a pas tant que ça de points. Donc c'est un échec, je pense. C'est un échec, c'était trop de jouer ce coup-là. Là, il faut capturer. Il veut pousser ici d'abord, pour avoir une forme un peu plus tranquille. Il veut pousser une fois. Ok, il est un peu gourmand, non? Mais si, je peux pas sortir là.
Pourquoi? Parce que si je sors ici, quand il vient là, il menace à la fois ce chicho, mais également ce chicho. Après, ça peut être intéressant quand même, parce que en fait, quand je viens là, quand il vient ici, je continue, il prend ces pierres-là en chicho. Mais de toute façon, ici, on disait qu'on faisait pas tant que 7 points. Et finalement, réussir à faire 7 points, même s'il prend les 3 pierres, hein, bah, je suis peut-être content. Je me demande. Et après, cet atari-là, bah, on disait, de toute façon, c'est 3 contre 3, donc on peut venir là. Donc effectivement, ici, c'est dangereux. C'est 4 pierres, peut-être. Mais si je joue juste pousser ici, il prend le punuki et reprendre là les points, je suis pas sûr qu'après, dans la partie, on ait assez. Je passe en bio-umi. Ok. Il n'y a pas de son quand je passe en bio-umi. En vrai... C'est tentant. Un gros échange. Je prendrais... Ah bah non. Mais non, je suis bête. Oh, wow, j'ai failli faire une grosse erreur. Bah non, mais en prenant ces pierres-là, il sauve celle-là. J'ai dû en faire stresser plus dans le... Ok. Bon, on va faire autre chose. Dans ma tête, hop, hop, hop. Et oui, il prend ces pierres-là, et moi, comme ça, je peux prendre ça-là. Bah non, quand il capture ces trois-là, les N4, N5, M5... Bah, il sauve les 4 pierres qui sont à la droite, direct. J'ai failli faire une très grosse bêtise. Aïe, aïe, aïe. Donc, y a pas le choix. La partie est compliquée quand même. La partie est compliquée. Ah non, c'est parce que je suis pas encore passé en biomie, j'ai cru. En fait, il me restait 30 secondes, j'ai cru. Ok. La partie est compliquée parce que mon moyo, finalement, c'est juste un peu de territoire sur le bord sud. C'est pas incroyable. Je me demande si au début de la séquence, quand j'avais en bas à droite, on va redessiner ça, quand j'avais mes pierres comme ça là. Qu'il envahit ici, quand je suis allé là et qu'il allait ici, il pouvait y avoir peut-être une autre solution qui normalement est moins bonne, mais peut-être là dans la situation pouvait se jouer, c'est l'atari par-dessus. Au lieu de faire l'atari à gauche de la pierre, faire celui-là et connecter. Et effectivement, on donnait peut-être de la réduction du potentiel sur le. Bah, de réduire le coin, de prendre le coin, mais on faisait un mur sur l'extérieur en face de notre mur ici. Je me demande si ça aurait pu être intéressant. De toute façon, c'est fait. Il prend son temps, il sait qu'il est en avance. On essaye d'estimer, est-ce qu'on peut faire ça? Là, on peut dire facilement qu'il a une quinzaine de points par ici. En haut à gauche, c'est dur à dire, c'est qui joue en premier. C'est dur à dire, mais je pense qu'il gardera son coin, donc on peut déjà compter une dizaine ici. Ça ferait 25. Ici, on va pouvoir compter une quinzaine, donc 40. Avec le commis, il a un peu plus de 45. Et à voir ce qui se passe par ici. Mais on va dire qu'il a plus de 50 points. Et noir. C'est problématique parce que noir. Dans le coin ici, on va avoir 15, on va dire. Et avec cette forme-là, par ici. Il y a une réduction en F1, comme on disait.
on peut dire une vingtaine de points, donc on va dire qu'on on est potentiellement à 15 points de retard, quoi. Ce qui est gros. Et il a le CNT. Bah non, il faut qu'il capture cette pierre. Donc on aurait le CNT. En fait, en face de son Ponoki, je me demande si c'est vraiment intéressant de jouer par là. Ça fait une très grosse extension, on va dire, à mon mur. Ça menace d'ensuite aller par ici pour dire « Regarde, je peux développer vraiment ce bord droit. » Mais en plus, en jouant un coup par là, une fois qu'il aura capturé la pierre, ça menace de venir ici et de dire « Regarde, la pierre que tu as capturée, la pierre aussi, ce qu'il va capturer, ça peut être un faux œil. » Donc ça peut être intéressant, peut-être, ce coup en Q8, à voir. Ce que je me dis, c'est est-ce qu'il est vraiment obligé de capturer? Là, il peut peut-être jouer des coups plus comme ça. Si je sors, il peut jouer ça. Il faut encore sortir la pierre, c'est un peu embêtant. Et là, il joue un coup par là. Et finalement, il est sûr que ce bord droit ne sera pas noir. Peut-être pas blanc non plus, mais il n'a pas besoin, on a vu. Donc ça peut être intéressant. Pour lui de jouer un coup vers P8 également. Là, je sais pas trop à quoi il réfléchit. Peut-être qu'il compte. Déjà. Je pense qu'il compte, tranquille. Ce qui est bizarre, c'est... On sait qu'il va jouer un coup par là, non? Ok, non, il essaye d'avoir plus. Ah, là, il est très gourmand, par contre. Il essaye d'avoir plus ici. Ok. Bon. Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Le truc, c'est qu'il peut faire ça. Tac, tac. 9, tac, tac. 8, il me prend en chichou. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Il reste 4 périodes. C'est pas facile pour moi là. Ou alors je viens ici. Il vient là. Je vais là. Ah, c'est pas facile. Si je joue par là, il peut faire atar ici. Je vais là. 10. 9. 8. 7. Ah, il vaut mieux que j'aille par là. Hein. De toute manière, ici, il peut avoir rapidement un chichot. Je sais pas s'il a besoin d'être aussi gourmand par contre là, lui aussi. La capture de la pierre, moi j'ai des soucis à régler également. Et jouer des gros coups comme ça, ça, ou même peut-être ça, pourrait être intéressant pour lui. Là on a l'impression qu'il cherche à compliquer la situation alors que maintenant c'est lui qui est en avance, j'ai l'impression. Parce que même si oui, il a des séquences intéressantes par ici, est-ce que ça suffit? Il y a 3 libertés seulement à droite. Hein. Donc s'il grossit son groupe, il atterrit dans l'autre sens en fait, oui, mais le temps qu'il vienne là, ben, j'ai atterri comme ça. Donc là, il sera obligé de sortir d'abord? C'est embêtant quand même. On va voir. Au moins ça... Je rattrape en niveau temps. Il avait quand même une... Il lui restait quoi, 10 minutes avant de jouer ce coup. J'imagine qu'il a lu pas mal de choses. Comme j'ai pas répondu le coup le plus compliqué non plus, je pense. S'il pousse là une fois de plus, est-ce que j'ai le droit de pousser une fois de plus moi aussi? Tac. J'ai l'impression. Puisque je ferai pas atterrir de ce côté cette fois, je ferai atterrir de ce côté. Je serai là, et je peux faire un chichou. Donc j'ai pas peur du O1. Je vais vérifier avant de vous le montrer, pour pas tricher, on va dire. Ouais. S'il fait ça, voilà, et que je viens ici. Je vais pas avoir peur de cet atari et de vouloir prendre la pierre là. Est-ce que après oui, je peux faire ça? Tac, tac, atari, tac, et chichou. Mini chichou, on va dire.
Donc là, je peux encore pousser ici, je pense. Où je vérifie le Atari en 4-3. 10. Noir. 9. Blanc. 8. Ah, ça va, 7, en fait, de ce côté. Ok, 6. On peut pousser une fois de plus. Y a pas de souci. Par contre, maintenant, quand il pousse encore une fois de plus. Il faut capturer. Parce que maintenant, si je sors ici, ça peut être vraiment catastrophique pour noir, quoi. Pour blanc, pardon. Je me demande, oui, s'il pousse ici encore une fois. Est-ce que je sors pas? Effectivement, peut-être qu'il peut se passer quelque chose par ici. Mais en fait, déjà, un, je peux peut-être sortir. Et deux, je peux venir par là. Mais en fait, même s'il reprend le territoire au sud ici, c'est pas tant que 7 points. Et moi, comme je disais, je peux développer quelque chose d'intéressant par là. Attention à sa gourmandise, hein, comme je dis. Il y a quelqu'un qui nous observe. Ok. Hop. Ah, et là, clairement, il est un peu trop gourmand. Faut arrêter maintenant, en fait, il faut... Ok. Après, là, c'est encore la même idée hein, que s'il avait fait Atari en L2. Est-ce que... J'ai encore... Si on oublie cette pierre en L3, j'ai encore 4 libertés sur ces 4 pierres. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai pas envie de sortir là? 10. Si capture, 9, je viens là. 8. Je suis en avance sur 7, la séquence. 6, 5, 4, 3. Oui. S'il capture, je viens là, et maintenant, ces pierres-là, c'est compliqué, non? Alors oui, oui, il est vivant ici, hein, au sud. Bon. Ouais, ça fera un peu plus de 5 points, on va dire, avec la pierre capturée. Là, il vient de concéder une situation à droite qui est quand même grandement à ma faveur, alors que le moyau avait disparu, il réapparaît, quoi. Bon, ok, il attaque les pierres à gauche. Mais... Ça semble cher payé, quoi. Dix, neuf, huit. À couper direct. Hop. J'ai l'impression que si j'allais là, il pouvait faire le double Atari, et même si je fais Atari, il vient là, et que je prends ça en chichot, il faisait contre Atari, Atari, et capturer tous les pierres. Donc ça, je pouvais pas le faire. Autant être agressif et venir là, et maintenant prendre la pierre. Parce qu'il y a encore le... C'est pareil. Atari, tac, tac, et il essaie de sortir, et, toutes ces pierres sont en danger. Autant régler le problème. Ouais, 10, autant régler le problème. Peut-être 9, comme ça. Non, comme 8, ça, c'est plus solide. Si 7, je viens là, plus tard, ça peut être 6, embêtant quand il vient là. 5, puis ici, il a l'Atari. 4. Ouais. Si je venais là, plus tard, quand il venait ici, et que je l'attaquais, il faisait d'abord Atari, et du coup, j'avais finalement ce coup en N7, et après, il pouvait faire Atari et jouer des séquences par là. Alors que maintenant, en jouant le coup solide, quand il va là, je vais là. S'il coupe, ben, tant mieux pour toi, et moi, je vais là. Donc c'est pas grave. Bon, il attaque clairement ma formation à gauche. Donc ça va être compliqué pour ma formation à gauche, mais en soi, la partie se rejoue pas mal, parce que je menace quand même, la noire maintenant, de faire 4 points. Comme tout à l'heure. Alors que s'il avait capturé sa pierre, ici, on disait que c'était très difficile de faire des points sur la droite, ou alors à la place de capturer, de jouer le coup en P8 dont on parlait. Et on avait quelques points par ici, quelques points par là, mais c'était pas incroyable. Maintenant, c'est des points incertains, ici bien sûr, à droite, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus que les 35 dont on parlait. Parce que là, c'est quoi? C'est
On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ouais, 7 fois 15. 7, 6. C'est énorme, quoi. 5, 4, 3. On s'en va. Et il joue de ce côté. Ok. Bon, bah on va l'attaquer. Ça, c'est un peu triste. Ça fait une extension pour mon mur de 5 pierres. Ça fait une extension vraiment toute petite. C'est l'extension naturelle de ces 2 pierres, mais pas de ces 5. 10, 9, 8, 7, 6. Et en même temps, si 5, je vais par là, il reste 4, de l'edge de ce côté. 3, 2, 1. Il reste 3 périodes. Je ne sais pas. De quel côté je vais? Ça, il peut venir là. On peut venir attaquer au milieu. J'ai l'impression que ça peut être intéressant. Même si ça me fait un peu de la peine de faire cette extension, on pousse vers notre force. Ou alors je joue là, il peut aller par ici, et le problème 10, c'est que 9, quand il vient par là, 8, il reste des séquences un peu chiantes. 7, on va aller ici. Combat, combat. Il vient par là ou par là, je pense peut-être ce coup-là, c'est peut-être plus intéressant pour lui. Et là, j'ai envie d'attaquer sévèrement. S'il passe au-dessous. Je peux venir là. 10. Je peux atterrir comme ça. Tac, 9, tac. 8, 7, 6. On revient là. On attaque. J'ai plus de temps. Par contre, ça, c'est. Ah, mais lui non plus. Il est en biomie également. Ok. La partie est relancée. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même. Ce coup-là pourrait être intéressant un jour aussi. Hein. Pour noir. Pour blanc, il est important pour continuer à mettre la pression sur les pierres. Mais moi, si je le joue, finalement, c'est ces deux pierres à lui qui sont bien menacées, quoi. Donc, blanc. On vient de ce côté. S'il fait atterrir comme ça, on est assez content parce qu'il peut pas jouer à la fois en Q9 et en S10. Donc il vient là, on vient ici. On vient prendre les pierres ici. On disait ce coup est important. Ok. Oh la vache, l'erreur de lecture. Autant pour moi. Autant pour moi. Ouais, grosse erreur de lecture. Bon, cela dit, je suis santé, il était déjà vivant, je suis santé, mais oui, c'est terrible. L'erreur de lecture est moche. On va venir par là ou. Je sais pas. La partie est. Ouais. Pas très beau. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je voulais aller en quatrième ligne, mais en soi, maintenant, il peut obtenir L15. Et de toute façon, il a un groupe 1000 fois vivant ici, donc on va pas faire de points là. Donc autant jouer le plus large possible. Essayer de faire des points sur ce bord gauche. Un petit peu. Là, il va. Ok, il met la pression comme ça. On vient de ce côté, qu'on va recentre. On revient sur les principes fondamentaux. Ouais, là, c'est un peu ridicule. Ok. Si on vient là, il vient ici, on prend la pierre, il fait atterrir. Et il nous sépare. Donc, soit ça, soit ça. On va faire celui-là. Il va reculer ici.
et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, en vérité, s'il sort ici, est-ce qu'on est sûr de prendre ses pierres? Je pousse une fois, il va là, je fais ça. Ça a l'air 10, de suffire, mais bon. 9. Bon, il faut 8, réduire par là. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va empêcher qu'il fasse ce bornor. En vrai, un coup blanc dans la zone, ça aurait été intéressant pour lui. Donc on va venir par là. Je joue à peu près en direction de ma pierre. Il est pas très content de ma partie, là. Une séquence lamentable. Et ici, ouais, il faudra regarder, mais... La tari par-dessus. Peut-être plus dans la stratégie de Mouillot, quand même. Ok. Je viens par ici. J'attaque un peu cette formation. On joue dans le poids vital du Kosomi. Donc il va venir très certainement E18, j'imagine. Parce que si je viens en E18 moi-même, il n'est pas vivant localement. Donc il va venir ici. Ouf. C'est gourmand ça. C'est très gourmand. Je m'en vais. On est tous les deux pas vivant localement, mais il avait pas besoin de faire ça, je pense. Clairement, il avait pas besoin de ce combat. De se sémerailler un peu. Parce que là, en fait, même s'il vient ici, il n'aura jamais le temps de faire ensuite ça, ça et ça. On va forcément jouer un de ses coups qui l'empêche de faire dessus. Donc il n'est pas vivant localement. Il a un œil. Encore que, si je joue là en premier, il n'a aucun œil. Donc c'est très risqué, je trouve, mais bon. On va venir par là. Ce qui menace quand même de faire un B9, ce qui est chiant. Et lui, j'imagine qu'il va sortir par ici. Par là. Même peut-être juste la gueule de tigre ici. Ok, il tente des trucs en tout cas. Si je viens en D14. Je viens ici, je peux couper là. Et on se retrouve en sémeil avec cette forme et cette forme. Un peu risqué. 10, 9. C'est un peu risqué quand même. J'ai pas le temps de tout lire. En tout cas, je suis pas assez rapide en lecture pour ça. Là, c'est vraiment risqué, je trouve. Je viens là. Et je menace à la fois D13 et E15. Oui, mais non, c'est pas incroyable. Parce que s'il faisait lui-même maintenant F15, j'allais pas en D13, parce qu'en fait, il pouvait me couper. Ouais, là, il avait un très bon coup, je pense. J'ai peut-être un peu de chance, là. Ça devient vraiment chaotique, par contre. Très bien, bah je recule ici. Déjà. Il vient là. Et est-ce que je... S'il vient ici, je... S'il vient ici en premier, je viens là. Mais s'il vient ici, je viens là. Il vient ici. Je fais ça. Ici. Continue 10, là. 9, je peux aller là de toute 8, manière. 7, 6, 5, 4,
Donc, on va aller par là d'abord. 2, 1. J'ai l'impression que j'ai le temps. Ah, c'est devenu le bordel. Clairement. Ok, il joue là. Donc, j'ai le temps d'aller ici. Et je suis vivant. Et lui, il est pas vivant. Donc, ce coup en A18 ne sert pas trop, là. Je suis vivant. Ok. Donc là, si je viens ici, il peut me couper, effectivement. Si je viens là, il me coupe. Et je meurs ici, et finalement, il revit. Ou en tout cas, c'est compliqué. Donc, je ne joue pas ça. Je joue ça. Et s'il me coupe, 10, oui, mais pendant ce temps, 9. Moi, je vis ici. Parce que s'il me coupe, je peux venir là. Il me laisse capturer sa pierre en H18, donc il recule, et je reviens ici. Et j'ai un œil en G17 et un œil en F18. La partie est compliquée, là. Donc maintenant, il m'empêche, donc je viens ici. C'est le bordel. C'est inespéré d'avoir ce coin. Je me demande s'il reste toujours le G sur sa pierre, quand je fais cet Atari. Si capture. Est-ce que je peux toujours embêter? En descendant, il fait un Atari, je fais un contre-Atari, tac, tac, tac. Il peut y avoir le G pour que je fasse quelques points ici. Ou si je fais ça et qu'il connecte là, je peux connecter mes pierres et menacer à la fois B10 et D12. Ouais. Donc quand je vais là, il vaut mieux qu'il capture, plutôt que jouer B11. Ça a l'air risqué ici. Ok, et du coup, il tente le tout pour le tout. On parlait de ce coup tout à l'heure. Noir, blanc et guetta. Ou en tout cas, il faut que je connecte toutes ces pierres-là, il faut que je les connecte. Puisque de toute manière, celles-ci sont tranquilles parce que j'ai capturé ces pierres-là. Et celles-ci, si je les connecte toutes, comme je dis, elles sont tranquilles parce que le coin est capturé. Donc voilà, il ne faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. 10, 9, 8. C'est comme ça, je pense. Fois 30 secondes, lui il a plus que 2 fois 30 secondes. Ok, on est repassé devant en temps pour la première fois dans la partie. On empêche. S'il vient ici, on capture là. On empêche de passer. Ok. Capture ici, il peut pas connecter là, sinon on capture. Et en même temps, quand il pousse ici, s'il coupe là, bah à tout moment on peut faire ça et être sûr de connecter nos trois pierres. Parce qu'on capture celle en M7. Et très rapidement ici, il perd des libertés. Hein, parce que quand on fait ça, il vient là et finalement il y a assez peu de liberté. Hein. Surtout quand il force en K9. Ok, donc là son salut c'est attaquer toute notre formation ici. Très bien, très bien. Il faudra sortir ces pierres, et on peut les sortir assez facilement, je pense. D'abord, on va faire ça, ça a l'air assez gratuit, de réduire. On vient par ici. On gagne ce coup, qui menace de vivre indirectement, donc c'est très gros, T18. Et maintenant... on va sortir. Tout en continuant de menacer de capturer ces deux pierres. Peut-être qu'il va passer par au-dessous.
Et en même temps, avec P13, on commence à sortir. Ok. Et on s'en va. En faisant des formes. Essayer de voir un œil par ici. Un autre... Non, par là, ça va être compliqué. Ok. Essaye de couper jusqu'au bout. D'accord. Donc là, c'est pour gagner liberté, j'imagine. Attention, si je joue F18, il connecte ses pierres. Donc, revenir au F18 nous-mêmes. Et là, comme on disait, si je joue D19, je vais en B19. Si je joue B19, je vais en D19. Il reste toujours ce truc aussi, là, il faudra voir. Même, juste des... Même noir, juste descendre en B10, ça pose des questions. Hein. Il vient par là, je m'assure de connecter mes pierres. S'il répond ici, je connecte là, je pense. Je sais que là, sa pierre en L11, ce n'est pas pour ça, du coup. Enfin, si, c'était pour séparer ici. Mais là, son plan, c'est... son idée, c'est de jouer un coup vers H11 et de séparer ces pierres-là. Pour essayer de vivre dans le coin. C'est vraiment pas facile pour lui. Parce que maintenant, je peux jouer par là. Même s'il coupe ici, à tout moment, je peux jouer ici. Connecte nos pierres. On essaye, on fait des lignes. J'essaie de prendre le maximum. On sauve ce qui est le plus important. Ça, ça ne suffit pas. Ouais, s'il vient par là, je viens par ici. Si, ça j'ai le droit, non? S'il vient là, je viens là. Et s'il vient là, je viens ici, il va là. Atari, tac, et on recapture les pierres. J'ai le droit de connecter par ici. De garder le plus de pierres possible. La partie est très longue en tout cas. Pas quand on a commencé. Plus d'une heure. Ok. Il vient par ici. On vient par là. Et en fait, comme je dis, là, s'il vient ici, je fais Atari. Tac, tac. Et je prends ses pierres. Donc il n'y a pas de problème. Mais en même temps, s'il était venu ici, je pouvais aller là et il ne pouvait pas m'empêcher de connecter non plus. Pouf, pouf, pouf. Il n'y avait pas de problème. Il vient là. Donc là, maintenant, il menace vraiment d'aller par ici. Donc je peux venir là. Je menace de couper tout ça et de prendre tout ça. Donc il a envie de venir là. Il embête, hein, parce que lui, il était en mode peut-être que je vais pouvoir jouer en P12 et prendre quelques points ici. Et ici, en vrai, ces pierres-là sont connectées. Ici, c'est connecté. Il peut pousser là, en fait. La seule chose embêtante, c'est qu'il peut pousser ici. Et quand il vient là, je connecte. 10, 9, 8, 7. Mais en fait, il n'a pas assez de liberté. 5, donc, on va tenter des trucs 4, par ici. On disait ce coup-là. Très bien. Et Atari. On embête jusqu'au bout. Il joue le coup. Ok, je pensais qu'il connecterait et il irait connecter tranquillement ici après. Là, c'est un peu risqué, non? Parce que si je gagne le coup, il y a tout ça qui est en danger. Bon, effectivement, il a une menace plutôt tranquille. Il recapture, mais moi je suis content, c'est un coup qui peut me permettre de gagner quelque chose d'intéressant aussi. Et ça, déjà.
Et ensuite, qu'est-ce que j'aurai? Ok, il me vient se couper. On va connecter direct. Sinon, il a une... si je fais un autre coup, il aura une autre menace. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste deux périodes. Il faut que je fasse attention quand même. Un genre de coup. Un peu piège, hein. Parce que s'il ne répond pas, s'il capture ici, je monte. Mince pas. Je monte. Protège, je faisais Atari, tac, tac, Atari, tac, et capturer le tout. Pour capturer ici. Et là, il a ça, j'imagine. Menacer de couper, encore une fois. Je pense qu'il va jouer E10, ouais. Est-ce que c'est plus gros? Je suis pas certain. J'ai l'impression que toute cette situation est plus grosse que ces quelques pierres là. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça vaut un peu plus de 20. 4, ouais, ça vaut plus 3, ici. 2. Ça a l'air de valoir plus ici. Ah, il sauve celle-là aussi. Ok, d'accord. Mais c'est quand même gros, je sais pas. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre. Non, oui, c'était peut-être gros quand même, ouais, effectivement. J'ai joué un peu vite. Sacré échange. Après, on prend tout ça. Hein. Et lui, il sauve ses pierres, il prend ça. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je force jusqu'au bout pour retirer la liberté. On verra plus tard. Je vais gagner quelques coups forçants. Mais surtout, je regarde la coupe en C4. Qui est intéressante. On vient par ici. Ça va peut-être me permettre de fermer un peu ici, je me demande. En tout cas, un peu dur d'estimer les points là. J'ai pas le temps de compter. Mais si on regarde, noir il est par ici. Noir a ça, pro oui. Et blanc est là. Ici. A ça. Noir a l'air bien niveau points. Mais 10, c'est très dur à estimer. 9. Ok, 8, il connecte là. 7. 6, 5, 4, 3, 2. Ce qui donne envie de connecter ici, sinon il peut maintenant monter. Par contre, faut pas que noir. Faut pas que blanc joue trop parce que. Niveau liberté, c'est pas évident forcément. Noir vient là. On menace de couper ici, ce qui est assez gros. Quand je se connecte ici,
Il faut qu'il capture la pierre là. Parce que si je connecte, j'ai 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Donc même s'il joue en premier, ça ne passe pas. Donc il faut capturer. Et là, je reviens par là. Quoi que ça... Non. Ça, ça a l'air intéressant. Il n'a pas beaucoup de liberté, hein, vraiment. Donc je vais pouvoir fermer tranquillement tout le territoire. Ouais. Je peux prendre tout ça. Et là, je prends ça en plus. C'est énorme. Parce que même s'il pousse ici, je viens là, ça me laisse capturer ses pierres. Donc c'est gros. Là, il fait atari ici, c'est un petit piège. Si je connecte, il a l'atari, mais pour l'instant, il a besoin de l'autre liberté. Parce qu'il pourrait y avoir un double atari rapidement. Là, c'est un petit piège. Il y a, faut que je fasse attention à la liberté en cassette, en fait. Et même, en fait, quand il viendra en 9, L5, en fait, 8, quand je reviens là, il prend 7, ses pierres tout en menaçant 6, un double atari. C'est pas 5, mal. 5, 4, 3, 2. Pour l'instant, je vais faire ça. Il capture, et voilà, j'ai pris ses pierres. Je suis à 100% d'avoir ça. Ce qui est quand même très gros. Et finalement, le co était très intéressant parce que j'ai tout ça en fait en point. C'est plus que ce qui se passe ici, je pense. Ça, c'est gros. Il y a ça qui est gros aussi, je pense, pour l'instant. Menacé de descendre. Oh, quoique. Non, c'est peut-être... Non, bah non, ça c'est synthé, donc non, c'est pas... C'est mieux pour moi, d'ailleurs. Parce que là, quand il va en L5, il menace en plus le double atari. Il va en L5 là, il prend plus de... il prend autant que là. Mais en plus, il menace davantage. Donc il peut faire ça. Tac, je réponds, et ensuite revenir protéger. Ok, j'aurais dû venir là. Et s'il venait là, ben... Vous avez gagné. C'était plus intéressant. Mais oui, ça ne suffit pas, bien sûr. Ça a l'air intéressant, ouais. Ça s'est bien passé pour moi. Bon, tant mieux. Je dis merci pour la partie. Hop. Et il est en train de regarder quelque chose, je sais pas quoi. Nous, on peut regarder ça. Il dit n'importe quel mouvement ici aurait tué... Oui, non, là, c'est l'observateur qui dit ça. Mais effectivement, quand il prenait le Ponuki, on tuait ces quelques pierres ici. Ça bien sûr. Mais... À ce moment-là, du coup, on a vu hein, dans la partie plus tard, il nous a laissé le potentiel de faire tout le bord droit. Ce qui était beaucoup plus intéressant pour nous que faire que, entre guillemets, les points ici. Donc là, vraiment, il nous a aidé dans la partie. Et je trouve que même ça, ce genre de coup, comme je disais, était intéressant. On vient reprendre et il jouait par là et il empêchait de faire les points à droite. Et voilà. Il donnait un tout petit peu plus, mais il empêchait ces points-là. Ça, c'était intéressant aussi. Regarde juste, il m'a répondu et il m'a dit merci aussi. Ok. Ok, ok. En tout cas, la partie, vous, le graphe, ce que vous voyez, non, vous voyez rien du graphe, ok. Est-ce que j'ai OGS commentaire? Ouais, voilà. Bon, le graphe, c'est effectivement, au début, il est un peu bien. Il va jusqu'à combien de points d'avance? Une petite dizaine. Ok. Une dizaine peut-être à un moment, quand même. Ouais, une dizaine. Et petit à petit, on remonte dans la partie, quoi. Au début, il était bien. Et du coup, ce que je disais, parce qu'on va peut-être pas tout revoir non plus, la vidéo est déjà assez longue comme ça, c'est ici, peut-être que je pouvais faire ce genre de coup. Et connecter. Effectivement, on laisse prendre ça. Mais est-ce que c'est si grave de faire atari? Et on peut toujours embêter. Et c'était peut-être plus cohérent par rapport à notre plan de jeu. Donc faire la taille par-dessus, ça peut être intéressant. Effectivement. Sinon, ils disent quoi? Ils disent qu'à ce moment-là, j'ai fait une grosse erreur. Tac. Ils vont le dire. Ils disent plutôt tourner ici. Et effectivement, dans la partie après, il a joué des trucs par là. Donc plutôt tourner là. Ça revient au même. Et oui, il pourra connecter ses pierres. Mais on prend... On va faire ça, tac, tac, et s'il fait atari, ben, ces quatre pierres ne sont plus si importantes. Et là, on pourrait faire ça. On prendrait beaucoup trop de points ici, donc ces pierres-là sont pas importantes par rapport à tout ce qu'on fait là, en fait. Ok. Autre erreur dans la partie, là, ils disent les petits points rouges. Tac. Ok, là, il fallait que lui, il fasse ça. Ouais, bah, il faut qu'il pense à la connexion de ses pierres. Ça, c'est un peu trop. Est-ce qu'on peut couper?
Jadis, je réponds mal, parce que quand je viens là, il peut venir ici. Là, ça, j'en avais parlé pour la partie. Et si je prends la pierre, parce que je menaçais soit ça, soit ça, il peut venir nous couper. Ça, c'était une erreur de ma part, il ne l'a pas vu, il a joué assez rapidement. Ici, je ne dois pas faire ça non plus. Là, je dois faire atari de ce côté. Il vient là, on capture, il vient là, on capture ça, et chacun prend de son côté. Ok. Et l'autre erreur, c'est... Moi, je... Oui, ok, c'était juste après, en fait. On a tous les deux fait des erreurs à ce moment-là. C'est une situation pas très claire, et on était tous les deux en BOMI, je crois. Je crois qu'il m'avait déjà rattrapé à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est à ce moment-là qu'il tombe en BOMI quand il fait le truc ici. Ok, ok. Bon, partie intéressante. J'espère que vous avez aimé. Il y a eu pas mal de rebondissements en soi. De situations intéressantes, j'ai l'impression. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo qui s'afficheront par là, par là. Et il y a aussi la playlist des parties sur OGS. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, on se dit à bientôt dans cette semaine. Bon courage pour ceux qui bossent. Et à la prochaine. Salut !